enfin, ce geste de la guérilla signifie peut-être aussi qu'elle n'est pas insensible aux pressions internationales, notamment à celle de la France. Peut-être parce qu'elle doit aller vite maintenant pour négocier notamment la libération de son otage la plus médiatique, Ingrid Betancourt, dont la santé. Et petit à petit, timidement, le calme revient, notamment à Karachi. Il y a une violence qui démeut aujourd'hui dans le fief de Bhutto. Au Pakistan, ce dimanche, il y a surtout des questions de politique. La commission électorale doit décider demain, en effet, du maintien ou non des élections début janvier. Les partis d'opposition n'appellent plus au boycott. Le PDP de l'Union européenne.